petite soirée et puis s'en va. La saison 1 de Cameron Black, l'illusionniste prendra fin ce mercredi 15 août sur TF1. Diffusée chaque mercredi depuis le 25 juillet, à raison de 3 épisodes par soirée, la série américaine a été quelque peu expédiée au cœur de l'été. Cette dernière soirée compte même les 4 derniers épisodes qui nous amènent jusqu'à minuit 20, merci le replay. Mais la série consacrée aux magiciens Cameron Black, Jack Cutmore et Scott, à ses acolytes et à l'agent du FBI K. Daniel, il finit Chadra, avec qui il fait équipe, n'aura pas de saison 2. Diffusée aux États-Unis sur ABC entre mars et mai dernier, la série de 13 épisodes a été annulée, faute d'une audience suffisante. Dans cette fiction, vous avez pu voir des acteurs comme Justin Chon, Eric Yorke dans la saga Twilight, ainsi qu'Amory Nolasco, Fernando Sucre dans Prison Break. En France, diffusé en plein cœur de l'été, Cameron Black, l'illusionniste n'a pas démérité en termes d'audience. Après l'épisode de lancement qui a rassemblé 3,7 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 20,2%, les épisodes suivants, du 2 au 9, ont en moyenne réuni 3,1 millions de fidèles pour une PIDA autour de 20%.